Bonjour à tous aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, Poulette s'en va et on va partir à la chasse aux habitants. Donc on dit déjà au revoir à Poulette qui a fait ses cartons, comme vous pouvez le voir. Poulette, c'est un petit personnage que j'ai un peu depuis le début. Je me souviens pas trop si c'est une des premières habitantes que j'ai eues. Mais j'aime bien son look, elle est toute mignonne. Hein. C'est une grande sœur. Donc le caractère grande sœur, moi j'aime pas tellement en fait. Donc bon, on verra bien. Ce que j'aime surtout maintenant, c'est d'aller à la chasse aux petits habitants sur les îles. Ça c'est très 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 amusant parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc là, tout de suite après ça, bon, je lui fais des adieux quand même. Comme il faut quoi, on va pas. Après, je la reverrai certainement jamais. Même si elle me dit qu'on va se revoir, c'est pas vrai quoi. On ne va pas se revoir, hein, Poulette. Bah non, petite Poulette. Non là, je suis pas en train de pleurer en fait. Je me suis trompée de touche. On va peut-être trouver la bonne touche là. Ouais. Voilà, ça c'est pleurer, c'est vraiment pleurer. Oh, adieu poulette. Ça fait comme je sais pas, il y a un fils, mais adieu poulet. Ah, c'est adieu poulette. Mon cœur est brisé, je suis déprimée. Mais bientôt, avec les tickets de voyage Nook, on va retourner à la chasse. C'est parti! Donc au revoir poulette. Bye 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 bye. Et là, on se retrouve sur une petite île. Je vois quelqu'un là-bas au fond. C'est un petit habitant tout rouge. Qu'est-ce que c'est? On va monter à l'échelle. Oh, c'est un petit hippopotame tout rouge. Avec deux petites quenottes. Oh, c'est mignon, hein? Mais non, 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 je ne la prendrai pas. En plus, elle est très mignonne, nous n'avons pas encore eu la chance de présenter. Alors voilà, je m'appelle Potama. Et toi, qui es-tu? Un petit chat, quel joli prénom, à la sonorité toute délicate. Et bien sache que c'est un plaisir. Si tu cherches un village familier pendant ton séjour petit, tu sais me trouver. Elle est super gentille. Hein. Passer du temps sur une île pareille, la décision même de repos. Je me sens comme une star en vacances. Ah, je m'aurais très bien sur une île, j'ai le cœur. Ben non, Potoma. C'est dommage, elle est mignonne. Hein. Ah là 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 là, c'est dommage qu'on n'en a pas plus. Je sais pas, il faudrait un système de. Je sais pas comment ça serait possible d'en avoir plus. Et en tout cas, je trouve que. Eh ben non. Donc j'ai pas pris Potoma et par contre j'ai pas lancé la vidéo au moment de la recherche de ce petit bonhomme qui s'appelle Grignotte et qui est tellement mignon. C'est un petit lapin gonflable. Il a une petite valve derrière la tête et ben là, je vais dire que voilà. Hein. On va pas passer à côté de lui quoi. Je vais l'avoir dans ma galerie. Ma galerie photo, hein, ma galerie postale. Non, il est pas mignon ce petit bonhomme. Il joue à cache-cache avec moi derrière les petits arbres. Il a l'air tellement doux, tellement chou. On voit bien la petite valve là qu'il a derrière la tête. C'est marrant, je trouve. Ils ont quand même de l'imagination hein, dans Animal Crossing. Il y a des personnages vraiment très très vilains. Il y en a peu, mais il y en a quelques-uns. Comme Pamela, que je n'aime pas. Ah oui, il m'a fait un petit cœur en plus. Il est pas mignon ce petit bonhomme. Je me répète, mais moi je le trouve vraiment très très mignon. Donc voilà. J'ai un coup de cœur pour lui. Donc il va rejoindre ma ville. Et les voilà. Aujourd'hui je suis à fond. Je joue à fond. Je grignote à fond. C'est pas mignon ça.
Regardez-moi ça, avec ses petites oreilles jaunes. Coucou toi, je peux t'aider? Ben, c'est sympa aussi, non? Il n'aime pas la chaleur, évidemment, c'est un ballon gonflable, donc il n'aime pas la chaleur. Il devrait se baigner dans un bac de glace à la vanille. Ben, c'est bon la glace à la vanille. Donc voilà, au bout de deux fois, j'ai trouvé mon nouvel habitant. Et c'est le petit grignote. C'est pas une fille, hein, c'est un garçon. Donc moi, je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Salut.